un week-end prolongé pour retrouver Perry Cochin, Arnaud Gidois, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoine, Pierre Bénichou et Annie Lemoine. Ben, je vois que vous êtes en forme, Annie. Hein. C'est le rugby qui vous met dans cet état-là. Oui. On va en reparler, mais je suis sûr que vous allez regarder le match ce week-end. Évidemment, évidemment. Ah, les petits Français. Magnifique, hein. Magnifique. Vous étiez derrière. Enfin, derrière. Vous auriez préféré être devant, j'imagine. Il est temps, alors, justement, de passer à la première photo du jour. C'est celle de Jean-Pierre Raffarin et de Jacques Chirac, photo publiée par Libération ce matin. Cérémonie d'hier, le 85e anniversaire de l'armistice du 11 novembre. C'était sur les Champs-Élysées. Et si on peut faire un gros plan, ça se passe de commentaires. Ah ouais. Ça va. Bon, le premier ministre, il est toujours arqué, mais on peut pas dire que ce soit l'arc du triomphe, là, franchement. Je sais bien que c'est pas d'une gaieté folle, la cérémonie du 11 novembre, mais quand même, on a l'impression qu'il a tout le poids de 14-18 sur les épaules. En fait, il doit déjà réfléchir au nom du soldat inconnu qui va le remplacer à Matignon, Raffarin. Vous avez vu la tête ? Devant lui, si on peut revoir la photo en large maintenant qu'on a vu le gros plan du président, devant lui, il y a le président qui a l'air de dire « Bah ouais, je suis venu avec mon boulet. » Et regardez d'ailleurs la photo qui suit. Là, le président a l'air enfin content de retrouver des gars en forme. C'est terrible. En fait, Jean-Pierre Raffarin fait plus ancien combattant que les anciens combattants. François publie d'ailleurs une photo de la commémoration qui a eu lieu à Kobe, parce que partout dans le monde, on a célébré l'armistice. Là, c'est au Japon. Donc, et quand on voit où se tient le drapeau français, on se dit que le Viagra, ça marche sur les poilus. Ça part fort, hein, quand même, pour le Premier ministre, manifestement. Vous avez des tuyaux, monsieur Bénichou ? Non, aucun. Aucun ? Aucun, lui non plus, d'ailleurs, c'est ça qui est important. Les cérémonies du 11 novembre. Alors, oui, allez-y. Alors, vous savez qu'il ne reste plus que 36 anciens combattants de 14-18. 36 poilus, les autres se sont fait épiler. Pierre. Mais en plus, c'est vrai que ils sont plus que 36, mais comme disait Alphonse Allais, on l'a beau dire, plus on ira, moins il y aura de gens qui auront connu Napoléon. C'est ça. Ouais, j'adore ça. J'ai honte de le dire, mais quand j'étais enfant, j'adorais les cérémonies du 11 novembre. Hein. Parce que moi, je ne suis pas dans ma mairie, ça se passait comme ça, je passais pareil partout. Mais il y a la cérémonie, on se fait un peu chier, et après, il y a le vin d'honneur. Et donc, tous les enfants se précipitaient au vin d'honneur, et comme on courait plus vite que les anciens combattants, on bouffait tout. Et ça, c'était vachement bien. Un joli souvenir. Le président n'a pas l'air heureux, là, avec le Premier ministre, mais heureusement, on le retrouve dans l'hebdomadaire Gala, plus souriant. Voilà. Et on voit que pour ne pas être flashé en excès de vitesse, eh bien, c'est son chien qui conduit la voiture. Le chien en question, c'est vraiment le chien de Jacques et Bernadette Chirac qui a été offert par leur petit-fils Martin. C'est un bichon maltais. Il est facile à reconnaître, le chien Chirac, parce que dès qu'il croise quelqu'un, il donne la patte pour dire bonjour. Revenons à l'affaire des ministres flashés sur la Nationale 20. On en a parlé pendant tout le week-end. Le magazine Auto Plus a piégé les ministres Sarkozy et De Robien, donc pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Bon, alors pour le ministre de l'Intérieur, on savait qu'il faisait toujours tout pour être sur les photos. Mais le ministre des Transports, c'est pas raisonnable. 91 km/h sur une voie limitée à 70. Tout ça pour aller inaugurer un radar. En plus, quand même, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est comme si on surprenait José Bové en train de manger un McDo. Hein. D'ailleurs, c'est pas con, on devrait installer des radars à l'entrée des fast-food. Il n'y a pas de raison que la vitesse soit pas aussi limitée pour la restauration rapide. Alors, pourquoi je n'accable pas M. Sarkozy, c'est que lui, il a une bonne excuse à être pressé, M. Sarkozy, pressé comme il est. Parce qu'il avait vu un panneau juste avant, ce panneau. Vous savez ce que ça veut dire? Attention, Raffarin. Annie-moi un commentaire. Vous savez, ils sont souvent escortés, il y a des motards devant, des voitures, etc. Donc la question c'est, est-ce que les escortes de ministres doivent respecter les limitations de vitesse? J'en suis pas sûr. Non mais évidemment que les voitures de ministres doivent respecter les limitations de vitesse. Pas toujours. Sans ça. Mais enfin c'est évident. Alors, moi, je pense qu'il doit respecter la limitation. Quand il conduit pour aller retrouver sa femme, je ne sais où, évidemment, il doit respecter en tant que citoyen la limitation de vitesse. Un ministre qui conduit pour aller retrouver sa femme, il va pas aussi vite.
Une autre photo, celle des rugbymen français, qui vous ont régalé face à l'Irlande. Et l'idole des supporters, votre idole, je le sais maintenant, c'est en tout cas le journal L'Équipe qui le dit, c'est le buteur du 15 de France. On parle même déjà de Michalak Mania, vous vous rendez compte? Tout le monde s'arrache le mois de mai sur le fameux calendrier. Regardez, voilà, là c'est plutôt Frédéric Michalère, hein, mais... Les prochains adversaires du 15 de France, vous le savez, en demi-finale, dimanche prochain, ce seront les Anglais. Mais notre entraîneur du 15 de France, Bernard Laporte, a dit qu'ils étaient prenables. Je suis pas sûr que le terme soit adéquat, parce que tout le monde va croire qu'ils sont entraînés par le prince Charles. Le pauvre prince... Oui, un mot. Je trouve que poser à poil pour un rugbyman, c'est absolument honteux, quoi. Ah oui? Mais où, oh, je suis mais où ça va finir? Mais je trouve ça encore très timide. Moi, j'ai allumé mon poste l'autre jour et je l'ai rééteint quand j'ai vu qu'il jouait habillé, finalement. On revient au prince Charles, puisque le prince Charles a des ennuis avec la presse britannique qui lui attribue une histoire avec son valet. Quelle affaire pour un valet, franchement. Il ne pouvait pas viser au-dessus non plus. Au-dessus, c'est le roi et la reine. À moins de vouloir faire une suite, ça aurait quand même fait mauvais effet. Puis c'est pas parce qu'il a tiré un valet qu'on va l'incriminer. Il a quand même eu des enfants, le prince Charles, faut pas oublier. En fait, le prince Charles est juste homéosexuel. C'est comme l'homéopathie. C'est homosexuel, mais à petite dose. En fait, le problème, c'est que le valet aurait des preuves. En effet, il aurait encore la marque des oreilles entre les cuisses. Ça explique surtout peut-être pourquoi Diana s'est envoyée en l'air aussi souvent ailleurs. C'est la faute. Si elle n'était pas honorée par son mari, il est normal qu'elle aille chercher ailleurs. C'est vrai que l'Angleterre est un pays rétrograde, mais la France est un pays vulgaire, quand même. La vraie question, je la pose à un amateur roi du poker à Paris. Vous êtes le roi du poker, on le sait, Pierre Bénichoux. Est-ce que quand on est habillé comme l'as de pique, comme le prince Charles et qu'on se tape un valet, ça fait le jeu de cette famille? Moi, je trouve que c'est un joli conte de fées. En ce moment, il y a des actrices qui se marient avec des princes. On a des présentatrices télé qui se marient aussi avec des princes. Là, pour une fois qu'un valet tombe sur une princesse, je trouve ça joli. J'ai l'impression qu'on découvre des choses. Ça fait comme des années qu'ils portent des jupes à carreaux. Moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, si j'ai bien compris, la presse étrangère a été censurée à Londres, au pays de la liberté d'expression, où je signale que des extrémistes islamistes prêchent le djihad publiquement tous les jours à Londres, et personne ne trouve rien à redire au nom de la liberté d'expression. Et là, on censure des journaux pour une histoire de sexualité du prince Charles dont on se fout complètement. J'ai trouvé ça assez énorme. Tout le monde s'en fout, mais c'est quand même assez abusant, comme histoire. Ça fait quand même 10 minutes qu'on en parle, hein, je veux pas dire, mais... Et on termine par Juliette, la nouvelle présentatrice du 20h de France 2. Bon, d'accord, elle n'a remplacé David Pujadas que pendant 2 minutes, mais tout le monde parle d'elle. TF1 l'aurait déjà contactée pour trancher la bataille entre Claire Chazal et Laurence Ferrari. Faut juste que personne ne dise à TF1 que c'est une intermittente du spectacle. D'ailleurs, si les intermittents ont préféré le journal télévisé de France 2 plutôt que de retourner à la Starac comme ils l'ont déjà fait, c'est que la Starac, c'est vraiment du matraquage. La semaine dernière est sortie en librairie les nouvelles preuves sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le clan Bush est-il coupable? C'est aux éditions du Rocher, un livre écrit par Caroline Lebeau. Après 5 années de recherche, l'auteur tente d'élucider, comme d'autres l'ont fait avant elle, le mystère qui plane autour de la mort du président américain. Sauf que Caroline Lebeau, elle, aurait des éléments solides. Elle parle notamment d'une Fiat Uno blanche qui aurait... Non, qu'est-ce que je raconte? Je confonds deux affaires. C'est la famille Bush qui est mise en cause dans ce livre. C'est ça qui est étonnant, c'est une première. George Bush, le père, serait, entre autres, un des responsables de l'assassinat Kennedy. Alors testons tout de suite ce livre, les nouvelles preuves sur l'assassinat de JFK avec son auteur. Voici Caroline Lebeau. Bienvenue. Alors,
Alors là, évidemment, la question qu'on a envie de poser tout de suite avant que je donne la parole à mes camarades, c'est est-ce que vous avez vraiment les preuves de ce que vous avancez? Parce que si c'est vrai, c'est quand même dingue. C'est la première fois que George Bush, ex-président des États-Unis, le papa de celui qui est président actuellement, c'est la première fois qu'il est accusé de l'assassinat de Kennedy à Dallas. Alors, c'est quoi ces preuves? En fait, ces preuves, elles sont aux archives nationales depuis des années. Et petit à petit, ça commence à se déclassifier. Donc en 98, il y a encore eu des archives qui viennent d'être ouvertes. 98. Ah oui, pardon. En 98, une fois. On comprend le belge. On est bilingue. Je traduis le belge très bien. Non, je rigole. Mais en fait, aux archives nationales, il existe un tas de documents et de conversations téléphoniques qui sont... Quelles archives nationales? Américaines? Américaines, oui, bien sûr. Donc là-bas, vous pouvez les avoir sur demande écrite, évidemment. Et des documents, donc, attestent qu'il était bien sur Dealey Plaza. C'est un document qui est signé d'Edgar Hoover. Qui est l'endroit où a eu lieu l'assassinat. C'est ça, oui. Or, aucun agent de la CIA n'était censé se trouver sur Dealey Plaza. Mais, justement, pardon, à cette époque, il était quoi, genre, il était déjà président de la CIA ou pas? Non. En fait, officiellement, donc, il y a un mémo qui dit qu'une semaine avant l'assassinat, George Bush, président d'une compagnie pétrolière, pardon, s'est rendu dans un bureau de la CIA, a expliqué le crime de l'assassinat de Kennedy en détail. Ça, ça a été révélé par un Américain, il y a quelques années de ça. Donc il expliquait vraiment tout ce qui allait se passer, qu'on allait arrêter quelqu'un dans les deux heures qui allaient suivre l'assassinat de Kennedy. Et puis, mais sont-elles les preuves de cette conversation-là? Oui, elles sont, c'est, bon, elles sont aux archives, enfin non, c'est à la télé, c'est passé à la télé, c'est un documentaire. Soyons précis, on a la preuve que M. Bush, George Bush, ancien président des États-Unis et père de l'actuel président, s'est rendu à la CIA quelques heures avant l'assassinat de Kennedy. Cinq jours avant. Décrivant l'assassinat. Tout à fait. Décrivant que le coupable allait être arrêté. Oui, c'est ça. On n'a pas dit qui allait être arrêté. Quelle preuve a-t-on de cela? C'est un documentaire qui est passé partout sur la BBC. C'est un documentaire, c'est quoi? C'est John Barbour qui a fait ce documentaire. Il prouve avec documents à l'appui que... Non, mais quel document? Parce que mais vous avez coulisses, un film, si vous, vous avez un enregistrement vocal, vous avez quoi? Eh bien, j'ai le document qui quel document? Du papier? Oui, un document papier signé, enregistré. Mais qui dit quoi? Qui dit que George Bush, agent... Mais qui dit ça? Oui, c'est quoi? Oui, c'est mais c'est il s'est rendu, donc c'est une déposition qu'il y fait. Non, mais comprenez qu'on ne peut pas dire les choses en l'air. Oui, non, mais tout à fait. Parce que moi je vous répondrais que s'il était là, s'il avait vraiment, lui, George Bush, senior, vraiment voulu faire tuer Kennedy, il ne serait pas venu sur les lieux du crime. Il serait très mis à côté. Peu importe. Mais cela dit, si on avait une preuve... Il avait trop regardé Colombo, Pierre. Si on avait une preuve de cela, ça serait un élément qui... Une déflagration mondiale. Mais comment expliquez-vous qu'il ne se souvient pas d'où il se situait ce jour-là? Une certitude, si ce qui est écrit... Oui, là où elle a raison, c'est que c'est quand même bizarre. George Bush père a toujours nié... Voilà, il a toujours dit qu'il ne se souvenait pas... Alors qu'un document signé d'Edgar Hoover... Du lieu où il était. Il affirme qu'il était sur Dealey Plaza en tant qu'agent de la CIA. C'est quand même bizarre, ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ce qui est quand même bizarre, c'est que vous, comme vous dites, journaliste indépendante, on vous laisse sortir un bouquin aussi lourd... un livre aussi lourd en signification et en contenu, vous les accusez clairement, vous dites qu'ils ont collaboré avec la mafia, etc. Et vous croyez qu'on va vous laisser sortir un livre comme ça, genre tranquille, et je viens faire ma promo? C'est quand même bizarre. On l'aurait attaqué. Mais enfin, elle aurait été menacée. On a le sentiment, en lisant votre livre, que soit vous êtes très courageuse, soit vous êtes complètement inconsciente. Parce que vous nous dites que la bande de malfrats qui a tué Kennedy est en fait aujourd'hui au pouvoir. Et vous arrivez, vous dites oui, c'est eux, j'ai les preuves. Alors qu'on sait que tous les témoins plus ou moins proches du truc ont été assassinés. Et vous, Caroline Lebeau, vous croyez que mon enquête s'est passée sans tracas? Elle arrive, elle dit voilà, c'est moi. Vous croyez que ça s'est passé sans tracas? J'ai un mari et une petite fille qui, pendant des semaines, on a dû faire appel à la police de Bruxelles tellement on avait des ennuis. La police de Bruxelles contre la CIA? Non, mais parce qu'on avait des menaces et qu'on savait pas d'où ça venait. Vous savez, vous levez le matin, vous avez une balle dans une enveloppe. Mais c'est pas connu. Bruxelles, ça vient de luxe, ça, c'est sûr. On vous a amené les documents que vous réclamiez. Alors montrez-moi, de quoi s'agit-il? George Bush s'est rendu au bureau de la CIA faire une déposition comme quoi James Parrott, à ce moment-là étudiant, lui avait raconté en détail l'assassinat de Kennedy.
Donc, il y a une déposition, c'est signé, c'est enregistré. Mais c'est un témoignage, c'est pas une mais preuve. C'est un témoignage. Mais non, mais c'est bien une preuve que George Bush savait ce qui allait se passer. Il a rencontré en détail. Maintenant, c'est un fait prouvé, c'est passé à la télé. Ce truc fait partie d'un documentaire. Le John Barbour qui est en question a fait. Mais ça ne mouille pas. Non, ça ne mouille pas, mais il était quand même au courant de ce qui allait se passer. Vous êtes d'accord? J'y crois pas à ce que vous me dites, c'est en anglais. C'est en anglais, pensez bien que c'est pas une preuve. Ça serait encore plus suspect. Hein. Si vraiment Bush était au courant et qu'il a été faire cette déposition-là, je suis d'accord jusque-là, pourquoi est-ce qu'il va la faire, cette déposition? Pour se déculpabiliser? C'est quoi? C'est de la stratégie Certainement. Parce qu'il est un peu con. Mais pourquoi pas? La première chose qu'on va faire, on va lui dire comment tu étais au courant. C'est ce que vous êtes en train de faire, d'ailleurs. En fait, Bush est belge. Oui, voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, il fait un crime et... Annie Lemoine, l'œil d'une journaliste. Alors, moi, ça m'a intéressée parce que je me suis dit, on a exactement les mêmes affaires en France. Exactement. On n'a pas tué le président français, ça aurait pu arriver, mais il y a les frégates de Taïwan, il y a des choses comme ça, où tout est mêlé, l'argent, le pétrole, le pouvoir, les conquêtes féminines, etc. Et donc, on a exactement les mêmes affaires en France. Alors, la question... Et tu crois que Bush va se mettre à chanter? La question que je me pose au travers de votre livre, c'est est-ce qu'on pourrait aujourd'hui rouler les gens dans la farine aussi facilement qu'on l'a fait à cette époque-là, sur l'affaire Kennedy? Est-ce que les médias aujourd'hui laisseraient faire une chose pareille? Est-ce que la justice... Et je crois quand même que maintenant, à l'heure actuelle, les gens sont un petit peu moins bête, enfin, on se laisse moins avoir et on réfléchit un petit peu plus loin. Il y a assez d'émissions comme la vôtre, etc., pour expliquer un peu ce qui se passe dans le monde actuel, tous les jours. Rassurez-moi, on a besoin d'être protégés, nous aussi, après cette émission. Non, ça va aller. Vous avez devenu l'émission d'investigation la plus dangereuse. Appelez ma femme et mes enfants. Mais les preuves, vous les avez vues, vous, les preuves dans ce bouquin? Non. C'est ça, voilà. Mais c'est pas vraiment des preuves. Vous comprenez que quand on dit on a des preuves, on a des preuves. Là, ce sont des... Oui, c'est pas vraiment des preuves. C'est des mots qui se recoupent. Oui, mais ce sont des propos rapportés. C'est, comme, voilà. C'est un peu c'est comme un baiser qui serait pas sur le bouche, quoi. C'est ça. C'est Jean-Luc. Alors, la vie d'un humoriste. Je sais que Canal va sortir un documentaire sur Lyndon Johnson impliquant. Il y a ABC qui prépare un documentaire, paraît-il, choc, qui prouve que Oswald est le seul tueur. Vous sortez ça. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord que j'achète qu'un seul bouquin déjà? Il y a une photo de George Bush à l'époque pour situer un petit peu le personnage. Il était comme ça. Et après, il y a une photo sur Daily Plaza. Est-ce qu'on peut la voir? C'est la même photo que vous avez inversée. Donc, mais oui, c'est normal. En fait, là, en fait, le personnage de gauche, c'est George Bush sur Daily Plaza. Et la photo de droite, c'est la photo qui a été recoupée pour montrer que, au niveau il y a des ressemblances. Ouais, d'accord. Ok. Donc, là, je suis convaincu. En tout cas, moi, j'ai fait un livre sur le sujet, parce que visiblement, c'est porteur. Et je remets pas en cause votre enquête, mais moi, c'est nettement plus sérieux. Ça s'appelle, voilà. Ils n'ont pas tué John Fitzgerald Kennedy. C'est des années d'enquête. Et j'ai été beaucoup plus loin puisque moi, non seulement je cite les gens, mais je donne leur numéro de téléphone et leur adresse. Et JR, il était où à Dallas ce jour-là? Hein? Parce que on ne sait pas qui a tiré sur JR non plus. Vous enquêtez là-dessus? Non. Au départ, j'ai trouvé ça formidable, votre idée. Je me suis dit quand même, Bush responsable, et plus ça va, moins j'y crois à votre affaire quand même. Justement, alors, comment ça se passe là-bas? Vous êtes journaliste, indépendante, vous venez de Belgique, vous allez bien sûr aux États-Unis, vous êtes fan de l'affaire, en tout cas de l'assassinat, vous avez des bouquins partout, mais comment ça se passe avec les Américains? Quand vous êtes en contact des gens qui sont un petit peu, qui ont eu affaire à ou de près ou de loin, comment ça se passe avec eux? C'est quoi leur ressenti? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit vraiment? Est-ce qu'il y a... Justement, en fait, ici, au début, je ne voulais pas faire un livre à la base. C'était vraiment ma passion, je ne faisais que ça pour le plaisir personnel, je réunissais les documents, etc. Donc je cherchais, je prenais des notes, etc. Et puis en fait, je fais partie d'un groupe de chercheurs américains avec qui j'ai franchement beaucoup travaillé, et c'est eux qui m'ont incité à mettre tout ça sur papier parce qu'eux ne peuvent pas publier n'importe quoi, n'importe comment. Ils peuvent risquer leur peau, hein. Bah oui. Votre idée personnelle, c'est quoi? Si vous aviez à résumer votre thèse en 10 lignes, vous diriez quoi? J'ai découvert avec mes documents que Kennedy a été tué par... Par un ensemble de personnes qui avaient de forts intérêts, dont les Bush faisaient partie, à le voir éliminé. Johnson seul n'est pas coupable. Johnson était au courant, il a manipulé, il a bien couvert le crime. Johnson était au courant, vous en êtes sûr aussi? Bah bien sûr, attendez, depuis 1971... Johnson, le type qui fait la cire, là? Oui... Quand vous dites... Johnson n'était pas le seul. Or, la participation de Johnson
dans cette affaire, je ne parle pas de l'assassinat, mais dans l'affaire d'élimination de Kennedy, dont il était le meilleur ami, enfin, dont il, pas le meilleur ami, mais quand même le vice-président, tout ça, est une chose qui est une thèse quand même déjà très, très, très fragile. Et vous dites, comme si c'était une chose admise, Johnson n'est pas le seul coupable, il y a aussi Bush, puis aussi Charlie Chaplin et Marcel, mon beau-frère. Vous dire, mais, comment vous pouvez dire ça d'un coup? Voilà, ça laisse sceptique, hein, vous l'aurez compris, votre livre. On a trouvé les hommes de main de Johnson, il y avait des hommes de main de Bush aussi. Cela étant dit, ça donne envie, parce que dès la page 16 ou 17, vous accusez indirectement Bush. Moi, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, quoi? Elle allume Bush d'entrée. Ah, c'est oui, Bush B. Puisque vous êtes une journaliste d'investigation, on le voit, le prince Charles alors? Oh, il fait sa vie, le garçon. Ça vous intéresse pas, ça? Non. L'assassinat de Lady Diana? Oh, ça, c'est déjà plus intéressant. Vous pensez qu'elle a été assassinée? Oui. C'est le prochain bouquin? Non, 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 j'ai travaillé avec M. Mondrian qui a fait son bouquin là-dessus. Il fait son travail et il a bien fait, je pense. Donc voilà. Pas d'autres affaires en cours? Non, non. Une analyse d'urine du mannequin Peace? Je sais pas. Les nouvelles preuves sur l'assassinat de Kennedy, c'est signé Caroline Lebeau. On y croit, on n'y croit pas. C'est un pavé dans la mare. Le clan Bush est-il coupable? Merci. Aux éditions du Rocher. Laurent Fabius a changé, il s'est détendu, il s'est rapproché des Français. C'est en tout cas le message qu'il fait passer dans son livre « Cela commence par une balade » paru chez Plon la semaine dernière. Monsieur Fabius est parti pendant un an à la rencontre du peuple français, juché, c'est ça qui a surpris, sur une bécane 125 cm3. Il a acheté du poisson, il a regardé la Starac, tout le monde le sait, et ça fait beaucoup, beaucoup parler depuis quelques jours. Alors pour tester ensemble « Cela commence par une balade », accueillons l'ex plus jeune Premier ministre de France, Monsieur Laurent Fabius. Bonjour. J'allais vous dire bonsoir, monsieur le Premier ministre, car je crois que je peux encore vous appeler monsieur le Premier ministre. Il paraît. Est-ce que certains vous appellent encore comme ça? Oui, ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous aimeriez redevenir Premier ministre avant de passer par la case président? Non, c'est peu probable. Enfin, je pense pas que M. Raffarin en ait pour longtemps, mais je crois pas que M. Chirac pensera directement à moi. Un mot de compassion pour lui, quand même. Matignon, c'est pas facile. Oui, mais ça ne durera pas. Je dois dire que ce livre, il fait parler. Alors, ça commence par une balade chez Plon. Je dois dire, vous auriez fait un livre, je ne sais pas, qui s'appellerait « Mon budget pour la France » en 2007. Il n'y aurait pas eu autant de presse et autant de papiers sur vous. Est-ce que vous attendiez à un tel succès? Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, mais à de telles retombées médiatiques? Quand on écrit un livre, c'est quand même pour qu'il soit lu, en général. Mais non, j'espérais que ça marcherait. Simplement, ce qui me frappe, c'est qu'on a retenu dans le livre 4 pages sur 240. Elle est plus passionnante, hein, il faut dire. Oui, celle sur Starac, voilà, sur je ne sais pas quoi, les carottes râpées, etc. Alors que, vous saviez en écrivant ça? Non, j'ai voulu faire un petit clin d'œil, mais ça m'ennuie un peu qu'on ne prenne pas le fond, qui est vraiment le contact avec les Français et mon tour de France. Non pas entièrement à moto, j'ai été à moto qu'en Ariège. Non, parce qu'on vous surnomme Moto Plus maintenant. Alors, ce livre, cela commence par une balade. J'ai envie de commencer par Annie Lemoine, si vous voulez bien. Alors Annie. Moi, vous m'avez dérouté considérablement, parce que vous auriez dû me le donner à lire avant de publier. Moi, je vous aurais aidé, mais vraiment, franchement, parce que vous avez laissé passer des choses. Vous voulez être en contact avec cette France-là, le peuple, vous dites. Quand vous parlez des ouvriers de Béthune, notamment, vous dites c'est solide gaillard qui travaille, etc. Ça, c'est à proscrire. Vous ne pouvez pas parler d'ouvrier en disant c'est solide gaillard, parce que tout à coup, vous vous remettez dans la case de, vous voyez, du fils d'antiquaire et de... Et si, il faut, vous avez malgré vous, Laurent Fabius, une distance avec cette France que vous voulez aimer et dont vous voulez vous sentir proche. La démarche est bonne. Vous avez pris une claque le 21 avril, Le Pen au deuxième tour, et vous vous dites, allons voir comment ça se passe. Ce que vous décrivez, je le connais depuis 25 ans. Je n'ai pas découvert ça au mois d'avril. Mais ce que j'ai voulu faire, en revanche, au mois d'avril, parce que c'est vrai qu'on a pris une sacrée claque, c'est faire ce que je fais dans ma Normandie, mais
à l'échelon de toute la France et donc reprendre ce que devraient faire beaucoup d'hommes politiques, c'est-à-dire réécouter les gens. Vous avez raison, mais la démarche est bonne. Mais je voudrais juste dire un mot, parce qu'on est nombreux à parler ici et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et que c'est vous qu'on a envie d'entendre, et, plus que n'importe qui. Quand vous dites sur... Mais c'est vrai, parce que c'est vachement intéressant, un homme politique qui vient comme ça, chez Ruquier, au contact du peuple. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il veut être président, il vient là. Bon, donc c'est intéressant, mais on n'a pas beaucoup de temps. J'y vais vite. J'ai mis 2 minutes pour dire ça. Attendez, j'y vais. Dites-vous que pour l'instant, vous avez du bol par rapport à Christine Ockrent, hein, parce que quand elle décortique un bouquin comme ça, oui, elle y va à fond. Hein. Je suis partagée, j'ai pas envie de l'abîmer, je préfère qu'il soit au pouvoir plutôt que Balladur, c'est clair. Alors bon, quand vous dites à Béthune toujours, il faudrait inciter les syndicalistes à présenter... Attendez, vous m'inquiétez, pourquoi Balladur, il va revenir? Conclusion. Ne dites pas qu'il est en moto en ce moment. Conclusion de vos rencontres avec les gens d'en bas. Vous non, dites... moi j'aime pas ces expressions okay, parce que ça fait jamais. Gens d'en bas, c'est qu'on les regarde d'en haut. Avec ceux qui font la France. Conclusion de votre rencontre avec ceux qui font la France. Vous dites, notamment à Béthune, il faudrait inciter les syndicalistes à présenter leur position plus souvent dans les sections. Inversement, quand nous élaborons un programme de gouvernement, il faudrait le soumettre aux syndicats, en discuter, pour qu'ils puissent le critiquer, proposer des modifications, enrichir notre réflexion. Oui. Et là, je m'inquiète, je me dis, mais ils y étaient aux affaires. Ils avaient les clés. Je vais vous dire pourquoi. Vous l'avez oui, pas on a été découvrir ça maintenant. Non, pas découvrir, mais il faut jamais penser qu'on a la vérité révélée. Donc, moi, qu'est-ce que je constate, hein, j'ai eu l'expérience du pouvoir, j'étais Premier ministre, président de l'Assemblée, etc. C'est que quand vous arrivez au pouvoir, vous avez un an ou un an et demi pour faire les réformes les plus importantes. Bon. Et en même temps, si vous ne voulez pas vous planter, il faut se concerter avec les gens. Alors là, vous avez une contradiction. Si vous voulez aller vite, il n'y a pas le temps de la concertation. Et si vous ne concertez pas, vous échouez. Et donc, la conclusion que je tire, qui était renforcée par cette rencontre avec les syndicalistes, puis beaucoup d'autres que je raconte dans mon bouquin, c'est qu'il faut que la concertation commence avant qu'on arrive aux responsabilités. Et les syndicats sont désireux de ça. Voilà ce que j'ai voulu dire, c'est oui, tout. Oui, mais pourquoi vous ne le dites pas comme ça? Non, mais c'est vrai qu'on peut se dire, mais alors qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi tout d'un coup, il découvre quoi? C'est pas tout d'un coup, mais je pense que le choc a été tellement lourd pour les socialistes et pour l'ensemble du pays, parce que quand même, on est le seul pays où, au deuxième tour, vous avez Le Pen face à un gars de droite. Bon, qu'il faut que les hommes politiques se remettent en cause. C'est ce que je fais. Et pour se remettre en cause, il ne faut pas dire comme Brecht, bon, le peuple a dit non, donc le peuple, il faut le dissoudre. Il faut aller auprès des gens pour les écouter. Et puis après, on filtre tout ça, on se dit, voilà, moi je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et puis ça fait un bouquin. Voilà. D'accord, mais j'ai perdu mon pari. Moi, aujourd'hui, j'étais sûr que vous viendriez avec une cravate. Et j'en étais content, je me suis dit, il a compris chez Fogiel l'autre soir que le côté débraillé ne marchera jamais. Que ça ne vous va pas, c'est comme une casquette à Léon Blum. Non, mais je dire, d'accord, ça lui va très bien. Mais non, si je mettais une casquette, on dirait il est hypocrite. Pierre, non, Pierre, il y a un problème. Non. Mettez-vous un instant de déraison à la place d'un dirigeant politique. Bon, ouais. J'écris un bouquin parce que, pour les raisons que je vous ai dites, ben, le bouquin, je souhaite qu'il soit lu, je souhaite que les gens réfléchissent, critiquent, etc., en parlent. Bon, si je vais uniquement sur Arte, en allemand, et, non, en ou en français, bilingue, et sur France Culture, où je vais aller d'ailleurs, bon, ben, le public sera un peu spécifique. Donc je vais aussi là où on m'invite, et en particulier ici, on peut dire des choses. Mais pardon, vous ne l'aviez pas fait avant, qu'est-ce qui s'est passé? Si, par exemple, monsieur Fabius, je le rappelle, était venu. Il était venu, oui, mais pas pour vendre chez nous, vous, pour ouais. nous parler de l'euro. Mais si vous voulez, mais je mais pense mais qu'il n'y a pas de ça marché, l'euro. Non, mais sur les livres précédents. Oui, c'est vrai. Vous parlez le jour de Fogiel. Je suis allé chez Fogiel. Alors mes amis me disent, t'as eu raison, t'as eu tort. J'en sais rien. Mais si à un moment, Fogiel m'avait entraîné dans un élément où je voulais pas aller, je lui aurais dit non, stop, on arrête. Attendez, juste avant de donner la parole aux autres, c'est le moment ou jamais, vous en parlez. Ah, miracle. Le coup de fil à un ami. Et ça n'était pas préparé, en plus. Si, moi je l'ai préparé. À vous, mais moi, oui. Enfin, ce qu'on n'a pas préparé, c'est de savoir si Marc-Olivier Fogiel va répondre. Mais on l'appelle, j'ai son numéro de portable, d'accord, évidemment. On va voir s'il décroche. Auquel cas, j'aimerais que vous lui disiez, dites donc, vous y avez été un peu fort avec non, moi. Parce que c'est pas ce que je pense, il a été lui-même. Vous lui dites ce que vous voulez, un petit débriefing commun. On l'appelle Marco, on va voir ce que ça donne. Allons-y, c'est parti. Peut-être lui, il a des regrets. Non, c'est vrai que la presse a souligné depuis 2 ou 3 jours qu'il avait été particulièrement difficile avec vous. Mais je sais pas, un moment, bon, c'était pas tellement lui, c'était Foucault, l'animateur, qui m'a cherché un peu. Bon. L'émission est bonne, hein. Vous laissez un petit message si jamais.
Il ne décroche pas. On a le cœur qui bat, mais on va entendre Olivier Folger. Vous le constatez, ce portable est pour le moment inaccessible, mais je consulte régulièrement mes messages. Merci de laisser le vôtre après le bip. Vous laissez un petit message ? Oui, sans rancune. Sans rancune, c'est tout ? Non, lui dire que ça m'a fait plaisir d'aller à son émission, que le lendemain, j'étais sur le marché à Pantin, des gens m'ont dit « bravo, c'était très bien, vous êtes bien défendu », d'autres m'ont dit « oh, vous n'auriez pas dû y aller ». Bon, j'y suis allé, c'était le choix que j'ai fait, pas de regret. Voilà, c'est une formidable façon de dire « je t'emmerde » quand même. Attendez, alors, monsieur Foucault, alors, pourquoi il vous a embêté, Jean-Pierre Foucault ? Non, mais il est... Bon, j'ai peut-être manqué un peu de répartie, et lui, il a beaucoup de répartie, hein, il a l'habitude des caméras, mais il m'a un petit peu cherché de temps en temps. Enfin, je ne vais pas parler de lui alors qu'il n'est pas là. Je dirais simplement justement, que... Justement, Merci. Oui, c'est ça, disons que comme animateur, il est bon. Voilà. Parfait. Et comme journaliste ? Non, si vous voulez, je pense que si on veut faire de la politique, alors il faut dire on fait de la politique. Mais si on se sert de sa casquette d'animateur pour faire passer ses idées politiques, ça c'est un autre exercice. Et c'est votre dernier mot ? C'est au Premier ministre qu'il faut dire ça. Au Premier ministre, oui. On peut dire c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Oui. Isabelle Alonso. Alors moi, je me suis quand même un petit peu demandé pourquoi vous écrivez ce livre. Vous le dites, mais en fait, est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais douté que vous soyez quelqu'un de très sympathique, cultivé et ouvert dans la vie de tous les jours, comme d'ailleurs sûrement beaucoup d'hommes politiques de droite dont je ne partage pas les opinions. Donc on ne peut pas dire que ça m'apprenne des choses. Moi, il y a plusieurs... En revanche, il y a une chose qui m'a surprise et un petit peu peinée quand vous parlez de la Starac, puisque tout le monde en parle. Je ne comprends pas que vous puissiez prendre plaisir à regarder quelque chose qui consiste à prendre une bande d'adolescents, à les faire travailler ensemble et une fois par semaine, ils doivent éliminer l'un des leurs, c'est-à-dire l'un de ceux qui ont travaillé ensemble. Ça me semble être en contradiction fondamentale avec le principe de base du socialisme qui est la solidarité. Bon, moi, je ne l'écoute pas comme ça. Je trouve que les émissions de télé-réalité, d'une façon générale, je n'aime pas du tout ça parce que je trouve ça dur, démago, avec la célébration du fric. J'aime pas ça. Mais celle-là, bon, je me dis, au fond, les gamins qui vont là-dedans... ils apprennent quand même quelque chose. Et je sais aussi que les jeunes garçons, les jeunes filles qui vont là-dedans, beaucoup se brûlent les ailes et que toute leur vie sera marquée, peut-être gâchée, oui, par les deux semaines qu'ils sont... Une autre question. Est-ce que vous pensez, ça juste une intuition, ouais, que le président Chirac se représentera en 2007 ? S'il est en forme, je pense plutôt que oui, oui. Et quant à Lionel Jospin, vous ne pensez pas qu'il reviendra ? Lequel a enchaîné dit aujourd'hui que le président de la République, M. Chirac lui-même, est persuadé que Lionel Jospin fera son retour. Absolument. Mais j'ai un chapitre dans le livre sur le 21 avril, le jour de la défaite de Lionel Jospin, et où je suis avec lui. Mais ce que j'écris dans le livre, c'est que je pense que le choc a été tellement dur, non pas d'être battu, mais d'être battu en plus par Le Pen, qu'il fallait qu'il prenne une décision à la hauteur du choc et de l'événement. Et que, évidemment, sur le moment, c'est extrêmement difficile, mais ça lui laissera dans l'histoire une trace de très grand respect. Et je le dis dans mon livre. Vous voyez cet enterrement de Jospin que vous faites là, je ne parle que de votre livre, que vous faites dans ce livre, quand vous dites, alors il m'a montré le texte qu'il allait écrire, oui, et je lui ai dit très ému, je crois vous citer à peu près exactement. Est-ce que tu crois que c'est ce qu'il faut faire ? Oui. Quand on a un ami qui dit « je démissionne », on dit « mais non, mais arrête donc ». Vous ne l'avez pas beaucoup, beaucoup soutenu. On a l'impression que... Retenu, vous voulez dire. Pardon ? Retenu. Retenu. On a l'impression que vous l'avez enterré ce jour-là. Non. Or, moi, je peux vous dire que votre seul adversaire, c'est lui. C'est pas un adversaire. C'est le seul qui va vous piquer la place de candidat au premier tour. Il revient... Comme un camion, comme une maison, il revient. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Lionel fera ce qu'il voudra. J'ai dit dans mon livre les choses que j'avais ressenties au moment du 21 avril, alors, où c'était un choc très fort. Voilà. Il y a un deuxième enterrement qui est peut-être le meilleur chapitre du livre. Le deuxième enterrement, c'est l'enterrement de Krasicki. Monsieur Bénichou. Oui, vous en prie, laissez-moi parler. Oui. Ça, c'est drôle. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Où est-ce que c'est une marmotte ou l'état de Non mais attends, c'est un truc intéressant que je dois dire exceptionnellement.
Pardon ? Oui, d'accord. Alors, juste de Chirac, dans le livre, vous dites « injuste de le surestimer, dangereux de le sous-estimer ». C'est tout ce que vous dites. Oui. J'ai trouvé ça curieux de la part d'un socialiste de dire « injuste à ce moment-là ». C'est faux de le surestimer, c'est stupide peut-être de le surestimer, mais « injuste », garder ce mot-là pour d'autres choses qui méritent de l'indignation. Non, ça définit assez bien ce que, en tout cas, je pense de Chirac. C'est-à-dire que très souvent, on l'a sous-estimé, alors qu'électoralement, c'est quand même une bête. Parce qu'il était élu. Mais on ne le sous-estimer jamais, c'est évident qu'il est ça. Ouais. Mais que, compte tenu de la politique qu'il fait, ce serait tout à fait injuste de le surestimer. Jean-Luc et Pierre Noël. Jean-Luc. Non, moi j'ai beaucoup d'affection pour M. Fabius, parce que c'est pour moi le symbole d'une autre époque. C'est une époque où tu pouvais faire les têtes et les jambes. Comme ça, c'est de valoriser et tu finissais Premier ministre. Aujourd'hui, un homme politique fait par exemple le maillon faible, il se fait ridiculiser par Boccolini, il arrête sa carrière tout de suite. Quoi. J'étais sensible à toutes vos déclarations plus personnelles, notamment concernant vos fils, où vous dites que vous avez du mal à les embrasser. C'est deux grands gaillards, alors que c'est assez paradoxal quand on sait qu'un homme politique, en général, serre la main, embrasse des inconnus à longueur de journée. Oui. Mais c'est pas pareil, parce que quand vous serrez la main, vous embrassez des petits bébés que vous connaissez pas, vous êtes dans votre fonction, si je peux dire. Et avec mes enfants, c'est tellement intime, en plus ils sont un peu barbus, que j'ai du mal. Vous pouvez pas justement faire semblant que c'est des électeurs, et comme ça vous les embrassez. mais attends, c'est drôle ce que tu dis, parce que... J'ai une question un poil plus sérieuse. Je sais que vous n'aimez pas vous répandre sur votre vie très privée. Oui. Alors, je voudrais savoir, votre ex-femme est beaucoup intervenue dans votre vie politique, dans votre vie sociale, et a eu un rôle important au moment où vous étiez encore ensemble. Vous n'êtes plus ensemble. Qui va prendre ce rôle ? Écoutez, là, on marque bien quelle est la frontière. Bon, ma vie privée, c'est ma vie privée. Mais qui va prendre demander... le rôle Non, ce qu'essaie de demander Péry, uniquement, c'est est-ce qu'elle a une chance. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, je n'avais pas compris. Mickey, oui, Mickey, oui. Excusez-moi, mais il est déjà tard. pas de rumeur. Jean-Luc, encore. Bonjour à vos fils, vous dites, pour mes fils, une fille peu séduisante, cela s'appelle un ton. Ils sont sans pitié, mais il y a des femmes moins belles, et dont vous vous dites, eh bien, c'est celle-là. Et c'est une phrase très belle, mais assez politique. Franchement, aujourd'hui, entre nous, est-ce que vous taperiez un ton ? Vous ne pas offenser les tons, donc je ne répondrai pas. Arnaud ? Ben moi, j'aimerais être un peu plus légère, venir un petit peu sur le bonhomme. Est-ce que vous permettez qu'on se tutoie, Laurent ? Allez-y. C'est possible, mon Lolo, qu'on se tutoie, donc, parce que allez-y. Ce que vous ne dites pas dans votre bouquin, c'est que moi, donc, j'ai fait le périple avec Lolo. Hein, on est partis en bécane tous les deux, alors fallait nous voir tous les deux sur nos destriers d'acier. Qu'est-ce qu'on était bien avec Lolo en arrivant dans l'Ariège, là, sur notre moto, avec les filles qui disent « Salut Fafa, salut Lolo, salut Bubius !» Oh là là, comme des rois on était, parce qu'avec les gonzesses, attention, c'est un tueur. Il en a ramené, hein, son petit truc, c'est « Je m'installe tranquille devant Starac, on regarde, et puis le lendemain... » Pendant 200 bornes, c'est Baila 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 Bamba Baila 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 Bamba. Non, j'en ai eu jusque là. Allez, le dernier mot, c'est ça. Jean-Luc, pour conclure. Non, pour conclure, juste pour pas qu'on un dise... Un peu de distraction. Oui, pour pas qu'on dise dans la presse demain qu'on vous a mal reçu. Un petit cadeau avant de partir. Ah, je crains le pire. Donc, vous avez déjà fait un chapitre sur les carottes râpées. Voilà, 7 chapitres. Pierre M. Le fameux Pierre M. Donc, j'espère qu'après ce passage, il y aura un chapitre sur le taboulé. Allez, on va vous remercier. Ça commence par une balade, ce champion. C'est signé, plus personne ne l'ignore aujourd'hui. Laurent Fabius. Merci beaucoup. La semaine prochaine sortira Michel Vaillant, un film de Louis-Pascal Couvleur qui est l'adaptation de la célèbre bande dessinée du même nom. C'est Sagamore Stevenin qui incarne Michel Vaillant, le héros pilote de rallye, qui est pilote de rallye et non pas ancien ministre de l'Intérieur socialiste. Ça, c'était Daniel Vaillant, il ne faut pas confondre. L'action se passe donc, vous l'avez compris, dans le milieu de l'automobile, comme la célèbre bande dessinée Michel Vaillant qui a bercé notre enfance, avec des grosses voitures qui vont très vite et qui font plein de bruit. C'est un film qui n'est pas forcément à conseiller aux écologistes, mais en tout cas, nous avons testé Michel Vaillant, le film, qui sortira mercredi de la semaine prochaine, et nous accueillons le héros du film, le Michel Vaillant, cinématographique en tout cas, Sagamore Stevenin. Bonsoir, bienvenue. Voilà, messieurs, pilote dames, automobile, Sagamore Stevenin, bonsoir. Michel Vaillant, c'était au départ une bande dessinée. Je crois que ça a été adapté à l'écran une fois en télévision. Oui. Une série télé, ouais. Avec un vrai pilote. Avec un vrai pilote. Je crois qu'il y avait un épisode, je crois. On ne sait pas. Saint-Cyr.
Mincir. Peu importe, on a oublié en tout cas son nom. Il reste... Non mais c'est dommage d'ailleurs, parce que j'avais une grosse tendresse pour ce monsieur, parce qu'effectivement c'était un vrai pilote, et pour les besoins de la série, ils ont tourné pendant la course, et du coup on l'obligeait un peu à faire le tour de la victoire quand il avait cassé la voiture. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un pilote. Voilà, donc ça me touche un peu. En tout cas, vous êtes le premier Michel Vaillant sur grand écran. Hein. Le film sort mercredi de la semaine prochaine. Michel Vaillant, là, c'est les 24 heures du Mans, hein, essentiellement, qui sont quand même, le lieu du film. Vous avez tourné même pendant les 24 heures. Les vraies 24 heures du Mans. Alors, on va se gêner. Mais vous étiez sur la piste dans une voiture en même temps que les autres voitures? Non, j'avais pas le droit d'être dans la voiture parce que pour des questions d'assurance, évidemment, j'allais pas jouer au pilote, justement. Mais j'ai eu la chance de pouvoir participer à tout ce qui était l'écurie, tous les mécanos et de m'imprégner de tout ça pour le film parce qu'on est retourné un mois après pour travailler sur le circuit. Ouais. Ils sont quelques-uns à avoir... Ils sont quelques... C'est le moteur qui... Ils sont quelques... Ils sont quelques... J'y arriverai pas. Quelques-uns à avoir vu le film. Excusez-moi, Laurent, il faut que Pierre repasse au stand, là, parce qu'il y a... Ils sont quelques-uns à avoir vu le film ici, on va vous en parler dans un instant, mais d'abord, la bande-annonce de Michel Vaillant, le film. Michel Vaillant. Le Mans n'a même pas commencé, vous perdez déjà. Bienvenue chez les Vaillants. Merci. Et pour une fois, je te le demande... Renonce à cette course. On ne bâtit pas une écurie comme la mienne en obéissant à des cauchemars. Ou bien en poursuivant des rêves. Hey, je vais lui dire deux mots à cette fille. Tu vas rien faire du tout. Laisse tomber. J'ai besoin que tu me rendes un grand service. Je veux que tu prennes ma place. Michel Vaillant sur les écrans le 19 novembre, un film réalisé par Louis-Pascal Couvlaire avec qui vous aviez déjà travaillé, je crois. Oui, sur un film qui s'appelait Sueur, au Maroc. Et ça a été tourné essentiellement au Mans, hein, il faut le dire. Mm-hmm. On voit Stevie traverser à un moment donné. Ils n'ont pas réussi à le faucher. Et un Milan réchappe. Jean-Luc Thomas, vous avez vu le film? J'y suis allé, j'étais un peu circonspect parce que franchement, moi, j'étais pas fan de la BD. Je trouvais Michel Vaillant un peu chiant, pour être honnête, parce que trop parfait. Trop parfait, il a aucune faille. En plus, les personnages féminins dans la série, ils avaient toutes des looks d'athlètes est-allemandes, c'est très très carré. Et j'y suis allé, et puis c'est vachement bien, c'est vraiment du fun à tous les étages. C'est filmé remarquablement, les acteurs sont bien. Le son, on en prend plein les oreilles, il y a une bande son terrible, ça c'est incroyable. Donc je dirais une seule chose, c'est popcorn pour tout le monde et puis allons au cinéma. Merci. Il y a une histoire quand même sentimentale, histoire de vengeance. C'était un peu le défi du film, c'était comment faire à la fois un film qui traite de course automobile sans être un film sur la course automobile. Donc effectivement, il y a une vraie intrigue à côté, il y a des personnages féminins qui existent aussi. Et ils sont nettement plus jolis d'ailleurs dans le film que dans la BD. La BD signée Graton, père et fils. Je voulais juste dire que ça peut quand même attaquer le cerveau, ce film. Parce que ça fait une semaine que Annie Lemoine, à chaque fois que je la croise, elle fait. Donc elle est quand même bien attaquée. Hein. Vous l'avez vu donc aussi, Annie? À côté de lui. Ah non, moi j'ai adoré. Parfait. Ah bah, j'étais fan déjà de Michel Vaillant, la BD. C'était mon héros quand j'étais petite. Ouais. Et lui, il est parfait forcément. Vous êtes parfait parce que, imaginez-le, vous mettez un casque, il reste quand même l'essentiel. Hein. Ça me touche, en fait. Je voulais parler des yeux. Elle continue à faire son marché sur les yeux. C'est terrible, non, alors. Avec les photos, ça. Isabelle Alonso, vous avez vu le film? Alors, si Jean-Luc Lemoyne y allait à reculons, vous imaginez, moi. Ouais. Je me disais, bon, c'est une bonne alternative à une visite chez le dentiste, quoi. Je me voyais d'ici en train de regarder ça. Et à la fin... C'est bien. Je fais pas mal, hein. Et en fait... Il est formidable, ce film. D'abord, c'est vrai, il y a de la vraie action. Il y a une vraie histoire avec des gentils et des méchants, mais très, très, très méchants. Il y a surtout une méchante. J'ai jamais rien vu d'aussi méchante de ma vie. Ensuite, il y a
des vraies valeurs humaines, il y a une vraie histoire d'amour, d'amitié, de fidélité. Alors moi, ça me va droit au cœur parce que je trouve que souvent, les films d'action, il n'y a rien derrière, quoi. Et là, il y a une vraie histoire qui, moi, m'a vachement plu. Et alors, comble de la stupéfaction pour moi, il y a un moment dans l'histoire, un personnage féminin dit « Je veux courir les 24 heures du Mans ». Normalement, dans un film d'action, tout le monde aurait dit « C'est un pône, une gonzesse et tout ». Et là, pas du tout. Le personnage masculin non seulement dit « Ok », mais il lui donne ses trucs, il lui dit « Voilà ce qu'il faut faire, là, il faut ralentir et tout ». Donc, voilà, c'est un film féministe en plus. Donc, j'ai adoré. C'est vraiment, il faut que les enfants aillent voir ça. C'est plein de valeurs positives. Et cerise sur le gâteau, Sagamore Stevna, qui arrive à être non seulement l'homme d'action super viril, mais en plus très sensible, très, très sympa. Quoi. On a... C'est vraiment bien, ce film. C'est un rôle. Alors, c'est un salon, j'ai regardé. C'est touchant, j'ai bien fait de venir. À côté de moi, pas très loin, il y avait l'acteur américain qui s'appelle Peter Youngblood Hills. Et alors, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de films, ce garçon, mais c'était très drôle. Il était à trois fauteuils de moi et pendant tout le film, il était comme ça. Ça a secoué toute la rangée, mais il était trop content de regarder son film. Il est juste de sortir de la bagnole. Non, c'est... Les réalisateurs et les producteurs sont allés au bout du truc. Il paraît que vous étiez logé dans un hôtel Formule 1, c'est vrai? Ouais. Jean-Luc? Il paraît quand même que vous aviez une scène assez difficile dans de l'eau glacée. Et pour tenir le coup, vous avez bu du rhum, vous avez fini bourré. Est-ce que c'est très Michel Vaillant comme attitude, ça? Non, c'est pas très Michel Vaillant, mais c'est-à-dire qu'il fallait quand même que je finisse le tournage. Et c'est vrai qu'on a eu un moment assez chaud avec Peter Youngblood, mon collègue, et on devait éteindre une voiture en feu dans la rivière. Donc en fait, tout le monde, c'est très cinéma, ça d'ailleurs. Tout le monde a peur du coup du feu. On nous met des combinaisons unifugées, puis on me dit « Sagamore, tu t'approches pas trop des flammes, parce que bon, quand même, donc tout de suite, moi, je fonce dans le tas. » Et personne n'avait pensé, en fait, à la température de l'eau. Et quand on a commencé la première prise, l'eau devait être à 4-5 degrés. On finissait dedans, donc on s'est dit « Bon, d'accord, alors maintenant, il faut éviter, pour se réchauffer, on se jette dans les flammes, pour éteindre, on se jette dans l'eau. » Donc, à un moment, à force de faire les allers-retours, c'est vrai qu'on commençait à plus pouvoir bouger ni parler. Et il y a quelqu'un qui nous a un peu sauvé la vie et qui nous a sorti une bouteille de rhum en disant « ça va vous faire du bien ». Et c'est sûrement un de mes grands souvenirs de ce tournage, c'est qu'ensuite on nous a mis dans une bagnole chauffée, j'étais avec Peter au milieu d'un décor magnifique de pleine montagne et effectivement on était assez à l'aise. Allez, Michel Vaillant, c'est sur tous les écrans le mercredi 19 novembre, un film réalisé par Louis-Pascal Couvelaire. On n'a pas cité tous les comédiens, il y a Diane Kruger aussi, qu'on connaît. Qui est Philippe Bas, François Levental, Jean-Pierre Cassel, enfin il y a beaucoup de noms aussi. Lisa Marbouchet qui a tombé par terre. Ah aussi. Oui. La méchante. Ah oui, il ne faut pas exagérer. Oh, est terrible. À la méchante vous plaît bien, vous? Ah oui, ouais, elle est... Ah, et Arnaud aussi, est d'accord là-dessus, hein. On a discuté avant. On a discuté un peu, là. En tout cas, merci mesdemoiselles, parce que nous, on arrive du Japon et on n'avait pas vraiment de retour merci sur le film. Merci madame, ça nous a fait plaisir quand même. La bande originale du film, Michel Vaillant, qui sort mercredi la semaine prochaine. Vous restez 3 minutes avec nous pour jouer. Ça va vous changer de la compétition automobile. Sans problème. Jouer au tac à finir. Premier paquet fini, les déclarations relevées dans la presse. À vous d'aider mes camarades à compléter cette phrase de Monica Bellucci. Vous avez déjà tourné avec elle? Non, jamais. Pas encore. Elle déclare « Un enfant, ce n'est pas comme un film, c'est... » C'est un être humain. C'est pas pour la vie. C'est plus de 90 minutes. Non. C'est une déclaration qu'elle fait dans Gala, qui sort aujourd'hui. Elle est à l'affiche du film « Souviens-toi de moi ». Qu'est-ce qu'on peut mettre 9 mois à le faire? Et on se rapproche. On se rapproche. Ah, c'est plus vite fait, mais il faut s'en occuper plus longtemps. Ah, oui, oui, c'est pas du jetable, quoi. Il y a de ça. En gros, on lui demande à Monica Bellucci, mais alors, est-ce que vous ne pensez pas à faire un enfant? Et elle répond, un enfant, c'est... pas le montage qui est long, c'est le tournage? Non, c'est pas le contraire. Ça pourrait. Mais ça tient de ça, ça tient de ça, tout ça, là, vous êtes très proche de ça. C'est un projet à long terme. Moi, j'ai regardé, alors. Alors, allez-y, dites, faites comme si vous n'aviez pas vu. Allez-y, attention. Vous avez une idée? Je dirais un film, un enfant. Oh, ça doit être difficile à planifier, ça. Ça doit être difficile à planifier, bonne réponse de Sagamore Stevna, qui est un bon tricheur, hein. Le rugby. Ça vous intéresse, le rugby? De loin. De loin. Bah, je vais vous demander de vous y intéresser de près. Le moins, c'est de près. Avec Sylvain Marconnet, qui déclare à propos du prochain match contre l'Angleterre, il ne faut pas qu'il nous arrive ce qui s'était passé à Twickenham la dernière fois. On avait explosé face aux Anglais comme... Annie Lemoine. Non. En fait, comme une leader. Un... Comme... Une leader. Une leader, non. La voiture des méchants dans le film. Ah bah oui. Non. Comme un cornet de pop-corn, là. Bravo, exactement. Bravo, Annie Lemoine.
boîte de pop-corn. On reste dans les sportifs, sportifs à la retraite, mais sportifs quand même. Boris Becker qui publie une autobiographie. Et il déclare dans ce livre, ah là, je sais, je crois. Une nuit, j'étais rentré ivre de la fête de la bière, j'étais presque nu sur notre terrasse et j'ai demandé à ma femme de, alors si vous savez... Me tirer dessus. Exactement, bravo, de me je tirer sais dessus. Je ne sais pas où j'ai lu ça. C'était dans le journal du dimanche, ce week-end. Ah, j'ai dû l'avoir dans l'avion, voilà. Vous avez dû lire le JDD dans l'avion, exactement. Ça veut dire quoi, de me tirer dessus? Ben, de le tuer. Oui, tu croyais que c'était sexuel, et ben non. Merci d'avoir répondu vite, ça nous évite effectivement des tas de choses salaces auxquelles on aurait pu s'attendre. Pascal Nègre, le président d'Universal Music, la plus grosse maison de disques, qui dit l'avantage des hypermarchés, c'est qu'il faut acheter des disques à des gens qui... Qui viennent acheter des couches? Pas des couches, non. Mais vous êtes tout prêts. Du fromage, des saucissons et des trucs. Des spaghettis? Non, mais c'est pareil. Des pâtes. Des beefsteaks? Non. Des yaourts? Qui viennent acheter des disques de vrais chanteurs, des trucs comme ça? Vous avez trouvé la réponse, il manque juste le mot qu'il faut. Jambon, chaussettes, cornichons, mayonnaise, tomates. Pardon? Des tomates? Oui, bravo, Yohan. L'album de Michel Vaillant, le dernier, signé Philippe et Jean Graton, le fils, a repris la suite du père, qui est toujours vivant, hein, l'auteur, ouais, le créateur du personnage Michel Vaillant. C'est la BD chez Graton Éditeur. Ils ont même leur maison d'édition. Le film, ce sera pour mercredi en 8, comme on dit, le 19 novembre, avec donc à l'affiche Sagamore, Stévenin. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. À demain, bye bye.